massive, de toute force de frappe. Il lâche les écoles et il ne lâchera rien. Et je vais couper le sang entre Jean et Philippe. Sachez que tous les deux sont à un petit peu plus de 4 minutes. 4 minutes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très dur sur une étape de 70 km. La réponse demain à l'arrivée à Bassigny, Lens-le-Villard. On se retrouve tout de suite, on continue à accueillir notre frère de sœur. Quel grand sac qui vient de se passer. Un jeune sœur, une participante, une fois, c'est incroyable. Italien est ici également, on le salue. Il s'agit de Claudio de Ferrari qui nous a rejoint également à côté, une mecheuse italienne, Lisa Bonato. Lisa Bonato qui participe pour la troisième fois à un trophée. Lisa Bonato qui a fait deuxième. Car Italia, c'est le charme entraîneur, Lisa Bonato. Elle est incroyable, elle vit seule en montagne. C'est une aventurière. Merci Claudio de Ferrari. Claudio de Ferrari, je mets en place également ici Johan Henry pour la France, dossard numéro 13. Johan Henry, représentant également la Fédération française des sports de traîneau. Ce départ s'organise, un départ prévu à 15h45. Dans 5 minutes, d'autres mecheurs vont encore nous rejoindre. Avant-dernier départ de cette passe-part incroyable de 200. Regardez une fois encore comment les chiens jettent, comment ils sautent, comment les chiens vont traîner. Ce sont des chiens de course. Rien, rien ne peut échapper. Le but, c'est le podium. Le but, c'est le finisher. Le but, c'est de terminer, bien sûr. C'est un des grands bénéficiaires ici, à Pessan, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les meilleurs temps. On ne contient plus les chiens. On ne tient plus la cage. Quand les chiens sont énervés, dans le pire, les méchants, pris par l'enthousiasme, le canin et la force. Ils ne peuvent pas quitter leur traîneau pour aller les coacher. Ils sont obligés de garder les pieds sur les freins. Les autres, c'est dans la neige. Et gagne le chrono. On écoute et on attend le message du juge. Les nations sont en place. On se scrute. On est fiers d'avoir sur le traîneau le drapeau de son pays. Les Espagnols ont préféré celui de la Catalogne. Et on sait pourquoi, ça se respecte. Les Italiens sont prêts également. Pour aujourd'hui peut-être tout donner, les conditions sont idéales, moins 14 ce matin, le froid reviendra cette nuit, le froid sera présent cette nuit comme on se dit, la neige est parfaite, les conditions sont idéales pour une belle compétition de machines, 47 km aujourd'hui pour aller au Mont-Sly dans quelques instants en fin de journée, où ils seront seuls, ils feront un feu de camp. Ils s'occuperont des chiens, les machons, les deux héros, les Englands ne pourront pas les faire. Regardez comment l'excitation est au comble sur ce départ. Les derniers conseils, Stéphane Planou ici, Englands, qui pour des raisons de santé, Stéphane, quitte cette édition 2022-24, mais qui reste grand méchant, n'arrive pas lui non plus à conquérir les chiens. Vous n'y arrivez pas, ils veulent y aller, ils veulent partir, ils savent que d'autres sont partis devant, ils savent que la victoire est au bout de cette ligne, ils savent qu'il faut y aller, n'hésitez pas à les encourager, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à crier, pour leur donner toute la puissance qu'ils attendent, ce sont des cabots, ils aiment cela, donnez tout, ils sont incroyables, ce sont des athlètes de haut niveau. Préparé depuis l'automne pour pouvoir prendre le départ de cette course mythique. Regardez comment les liens sont tendus. Regardez comment les chiens de tête regardent derrière en disant on y va. Le départ dans moins d'une minute. Moins d'une minute pour ce départ. Dans 30 secondes, Bruno, tu lanceras la musique. On la lancera juste avant pour donner toute cette émotion, toute cette force, toute cette impression sur ce départ incroyable. Et ce n'est que le deuxième.
le dernier ensuite avec tous les champions de cette grande Odyssée 2024, ici à Fessin, en Haute-Saône-Valoise, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont prêts à écouter le public. À vous dans quelques instants. Les applaudissements coupés. Ça va être le prochain départ dans 15 minutes. Dernier départ de cette mascarte